Alors aujourd'hui on est le 22 décembre. Qu'est-ce qui c'est? Qui c'est? Ah je crois, il n'y a pas Sven, chérie, il n'y avait pas Sven. Oh c'est Christophe! Ah il est là! Ah bah oui il est là, il est en forme de cookie. Trop sympa ça! Ben voilà, comme ça tu les as tous. Anna, Elsa, non, Olaf et Christophe. Un... Ouais, ben il n'y avait pas tous là, il y en avait que 4 dans la boîte. Oh, le lever de soleil, il est bien magnifique aujourd'hui. Mais alors ça caille, hein. Alerte au grand froid, cette nuit on a eu. C'est tout, hein, tout blanc. Oh là là, magnifique. Définitivement magnifique le lever de soleil. Hein. Et voilà, c'est tout blanc. Et tout qui est blanc. Il doit faire bien froid dehors. Et voilà, dernière lunchbox avant les vacances. Donc là, il y a la gourde d'eau. Et en fait, il n'y a que le snack du matin parce qu'elle finira à midi aujourd'hui, comme c'est le jour des vacances. Un piqué croque, une compote et des tomates cerises. Et ça va pas manquer de ne pas faire ça pendant 15 jours. Hein. Alors ça, c'est sûr que non. Et alors ici, en fait, il est coutume d'offrir des cadeaux à la maîtresse le dernier jour de l'année. Donc aujourd'hui, ben, c'est son dernier jour d'école 2017. Hein, de l'année civile, mais aussi, je pense, de l'année scolaire en juin prochain. Donc, on a fait une carte de vœux. Donc, ça, c'est Linda qui a dessiné sa maîtresse à l'école. Donc, évidemment, on a fait une carte de vœux, qui est la même que ceux que nos proches ont reçus, avec un petit mot derrière. Linda a écrit « Merry Christmas and Happy New Year », sa maîtresse. Et j'ai pris ça. Et en fait, ça, c'est un gel pour les mains de chez Bath & Body Works, désinfectant avec écrit « Best Teacher Ever ». Et dans un espèce de bonhomme de neige avec une boule incorporée, avec des boules de polystyrène à l'intérieur. Je vais essayer de vous trouver les images sur internet, parce que là, bah, du coup, je l'ai emballé il y a 2 jours, donc voilà. Donc voilà, Lana va donner ça à sa maîtresse ce matin, bah, pour la remercier d'avoir été une super, méga, géniale maîtresse pendant ses 3 mois d'école. 4 mois même, limite, parce qu'elle a commencé mi-août. Et donc voilà, ça c'est prêt à partir aussi. Donc voilà, ce sera la seule fois où vous me verrez emmener Lana à l'école. De la série de vlogs, hein. Et il fait froid. On se pèle. Alors Lana, du coup, je lui mets le truc anti-pluie pour pas qu'elle ait le vent. Voilà. Sinon, la pauvre, elle se prendrait tout le vent glacé dans la figure, comme moi, je me le fais, en fait. Donc voilà. C'est parti pour 4 minutes de vélo. Je la dépose à l'école. Et je vous reprends pour une introduction digne de ce nom. Je vous avais pas encore montré sur YouTube, mais voici ma petite fierté de Noël. Fait main, à la base il y avait que les feuilles et les pommes de pin. J'ai acheté tout le reste et j'ai fait ma petite couronne de Noël exactement comme je voulais, avec ce petit oiseau trop mignon au milieu sur donc ma porte d'entrée. Voilà, avec les lumières qui s'allument le soir. Allez. Alors bonjour à tous, c'est parti pour le premier Calismas de cette année 2017. Alors je remercie ma gentille abonnée qui m'a soufflé l'idée du nom sous ma vidéo annonce, voilà, Calismas. Je trouvais que c'était bien parce que ça fait Cali comme Californie et Smas comme Christmas. Et Calismas, ça ressemble vraiment à Christmas, donc voilà. C'était un nom absolument parfait, donc j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc voici le premier, alors c'est le seul jour comme je vous l'ai dit où Lana aura école parce qu'elle est en vacances à midi, il est 9h du matin à l'heure actuelle. Alors j'ai mis du temps à rentrer de l'école parce que j'aide en fait mes copines. En fait dans les écoles américaines on demande beaucoup le volontariat des parents et tous les vendredis on classe les travaux des enfants dans leur pochette individuelle que je vais sûrement vous montrer tout à l'heure quand elle rentre. Donc voilà, je vais vous montrer ça parce qu'en fait c'est la seule journée où il y aura école, où on parlera école je pense, parce que le reste du temps l'école ne sera pas du tout là vu que ce sera les vacances scolaires. C'est le but de ces vlogs, c'est de vloguer les vacances scolaires. Donc aujourd'hui il y aura 2 grosses étapes, la première ce sera ce matin, dans 1 heure je vais avec ma copine Lucie chez Costco. Alors je sais qu'il y a des magasins Costco en France mais je sais pas si tout le monde connaît et tout le monde en a dans son coin, sûrement, sûrement pas. En fait Costco c'est un peu comme Métro en France, c'est-à-dire qu'il faut une carte d'abonnement pour pouvoir faire ses courses là-dedans. Alors moi j'en avais une, désolée hein, j'ai la voix qui part en live, il fait un peu froid. J'avais la carte jusqu'à novembre et j'ai arrêté parce qu'en fait je l'ai payé 100 balles et au final je m'en suis servi 3 fois. Alors je sais qu'il y a une carte qui était moins chère mais j'avais des points, enfin bref.
J'ai arrêté de. J'ai pas renouvelé parce qu'en fait, j'y vais jamais chez Costco. Mais là, en fait, donc nous sommes le 22 décembre aujourd'hui, au moment où je tourne. Et donc, dans 2 jours, bah, c'est le réveillon. Le réveillon se fera chez moi, avec nos copains. On n'a pas de famille cette année qui viennent. Mais on a tous nos copains qui restent ici. Donc, on a splitté un peu le groupe en deux. Parce qu'en fait, on est tellement nombreux maintenant qu'on si c'est pas à l'extérieur, on peut pas accueillir tout le groupe. On est, je sais pas, je crois qu'on doit être 40 si on est tous là avec les enfants. On ne peut pas accueillir dans une maison, hein, donc du coup, bah, on a splitté la team 24 et le team 25. Donc voilà, donc c'est chez moi. Il y aura donc la famille de Gaël, la famille de Lucie, la famille de Virginie. Normalement, si vous me suivez, vous avez déjà tous vu bah, ces familles-là. Et du coup, bah, il faut faire les courses. On s'est splitté le menu entre toutes parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui vais cuisiner pour tout le monde, étant donné mon amour et mon expertise culinaire, hein, voilà. Donc bref, je vais tout ça pour vous dire que je vais aller avec Lucie à Costco acheter quelques, bah, une partie des. Désolée, c'est Bugdy qui gratte à la fenêtre, voilà, parce qu'elle a fini de faire son pipi. Panier. Voilà, et elle fonce dans son panier parce qu'elle a les pattes pleines de terre. Donc elle va se laver les pattes. Regardez, c'est un bon chien. Regardez là, là. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'on va aller chez Costco. Donc je vais vous montrer Costco parce que c'est vraiment une expérience unique. Moi la première fois que je suis allée là-dedans, j'ai fait mais c'est ça. C'est un magasin qui est immense, avec une hauteur de plafond immense. En fait, ça fait plus un entrepôt qu'un supermarché. Et en fait, tout ce qu'ils vendent, c'est en quantité excessivement énorme. Donc déjà qu'aux États-Unis ils ont tendance à avoir les proportions un peu plus énormes. Costco c'est le summum de l'Amérique quoi. Et en fait vous allez voir notamment il faut que j'achète du Nesquik à l'ANA. Vous allez voir la taille du Nesquik. Enfin je vous ai déjà montré dans des produits finis mais enfin, voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que je sais que vous adorez voir les magasins américains et que je vous en montre très peu. Donc là c'est l'occasion idéale pour aller faire un petit tour. J'espère qu'ils me diront rien que je filme. Mais normalement ils ne disent rien. Et je récupère l'ANA. Et à midi, elle a un jour plus court aujourd'hui parce que bah, c'est les vacances. Elle va faire la sieste et après on ira chez Gaël faire des sablés pour le réveillon. Donc en fait là, les enfants vont faire les sablés, vont faire les formes. Et le 24 au soir, donc pendant le réveillon, bah, on mettra des petites décorations de la crème, la cream machin là, whipped cream, je sais pas quoi là. Enfin des petits trucs pour décorer et tout ça, ils décoreront en fait pendant le réveillon. Chacun décorera son gâteau et le mangera. Donc aujourd'hui, on va les faire. Donc ce sera des sablés. Et donc voilà, je pense que ça sera pas mal. Donc vous avez vu en fait, voilà, les vlogs vont être surtout articulés autour des grosses activités de la journée, pas tout en détail. Mais voilà, je vous montre quelquefois, voilà, des petits trucs quand même du quotidien. C'est un mix entre la journée avec nous et le vlog vraiment que de l'activité. Hein. C'est un mix des deux. Voilà, c'est un concept que j'ai envie de tester et qui, je pense, est la meilleure solution pour que ce soit intéressant sans durer 1 heure. Bien que je pense que ce vlog-là sera peut-être l'un des plus longs parce que voilà, déjà, je raconte ma vie. C'est un peu une intro, donc c'est normal qu'ils soient un peu plus longs. Et donc voilà, donc je vais vous laisser et je vous reprends ben, quand je vais acheter Costco, tout simplement. Donc il fait 7 degrés et je kiffe les derniers jours de musique de Noël à la radio parce que bah, dans 2 jours, c'est fini. Et il fait super beau, hein. Il fait juste super froid. Allez, c'est parti. Et ça, c'est ma musique préférée de Noël du monde entier. Je suis amoureuse de cette musique. Alors, voici Costco. Ça ressemble à ça. C'est très moche. Il y a des télés, elles sont très grandes. Et il y a un peu de tout. Mais ça fait très hangar. Hein. Ça fait très entrepôt, ouais, c'est ça. Il y a des fringues, il y a de l'électronique. Alors nous, ce qu'on achète ici, c'est le camping, le matériel de camping l'été. Et il y a des iPads. Je suis sûre que je les ai payés. J'ai payé moins cher le mien que ce qu'ils vendent ici. Enfin voilà, il y a tout. Et bah, d'ailleurs, pour Noël, ils ont un peu tout enlevé, quoi. Normalement, c'est Noël, là. Partout, ils ont enlevé tout. C'est dingue. Ils sont en train d'enlever les sapins, là, les vendeurs de sapins. Ils enlèvent tout, en fait. Ça y est, c'est fini. Là, ça ressemble à ça. Les drones. Donc, on va aller à la bouffe. 119 $ la maison gigantesque ici, team. En plus, c'est Kidcraft, quoi. C'est genre la même marque que la mienne. Sauf que moi, j'ai dû le payer ce prix-là, sauf que la mienne, elle est 2 fois plus petite. Et des American Girl aussi. 129 $ à l'American Girl avec les fringues, quand on connaît les prix que pratique American Girl. Kodak, c'est un appareil photo énorme. Ah ouais.
Énorme. 14 balles, le château en bois pour petits garçons. Avec les personnages et tout, quoi. Ouais. Voilà. Parce que c'est bien. Mais c'est le mal. Moi, je viens pas ici parce que je dépense trop si je viens. Ah oh que c'est dédicace à ma wishlist de Noël. 12 dollars. 4 costumes pour petits garçons. Petite fille. Enfin, c'est quoi? C'est pompier, armée, SWAT. Et ça, c'est quoi ça? Pilote? Pilote de chasse? Punaise, 12 dollars quoi. Bon, il y a manqué les taxes, hein. Faut acheter les taxes, mais c'est que dalle. Je pense que c'est que le gilet. C'est pas... Ouais, c'est que le gilet, ouais. Les vestes et les chapeaux. Ouais, mais ça reste quand même que dalle. Et les armes aussi. C'est quand même top quoi. Putain, c'est rien. Et les American Girl Willy Wisher à 29 dollars. Ça coûte 60, hein. Sans le pas, les habits en plus. Ouais, c'est la même que Lana. Parce que Lana, elle a la blonde. Ah, mais c'est incroyable. Ah, ok, ok. J'ai rien dit. Ah non, c'est les pop Star Wars. Le boulet. Voici la taille du Nesquik. Mais pour 6 mois. Donc voilà, les rayons, c'est comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et c'est que des trucs en super méga grande quantité, quoi. Ça, c'est les paquets d'olives. Voilà. Si, t'as besoin de sopalin. C'est ça. T'as besoin d'un grand garage aussi pour stocker ça. J'ai déjà un grand garage. Mais regarde, là, les boîtes de Kleenex. Ah oui, bah on est tous dans le même cas, je crois. Voilà. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, ça, ah, ça va, t'es en dessous. Non, ça rentre pas. Putain. Voilà. Et le papier aluminium fait 300 mètres de long. Voilà. Bon, par contre, quand on reste dans les produits français, c'est un petit peu plus cher. De la French brioche, la boulangère. Ouais, trop bonne. Moi, bon, je connais pas, je vais tester. Faut que j'achète du Nutella alors. Oh non, avec du beurre. Ah, que dalle. Du Nutella, ça se mange ça. Bon, et comme on est chez Costco, bah, Nutella, c'est par deux énormes. Voilà, et on va être obligé de le manger. Et les Mikado alias Poki, des packs de 10. Hop là. Ça, c'est le gros mal quand même. Hein. Ça, faut pas acheter ça. Non, mange. Ouais, quelqu'un a volé un truc. Oh. Il y a Jelly Belly. Et les fameux packs de baume à lèvres par 6. 9 dollars. Et en fait, on donne le caddie au monsieur qui aide. Ah ouais, je vais faire le tri. On donne le caddie au monsieur qui aide, nous on passe de l'autre côté, on n'a rien à faire. Voilà, il scanne directement, on n'a pas besoin de sortir. En même temps, vu le poids, c'est très bien comme ça. Et voilà. Et il faut une carte de membre, sinon on peut pas payer. Alors voici mon haul Costco, mon retour de course. Ouh là là, je vais mettre ça comme titre de la vidéo, ça va faire des vues. Je plaisante. Ça, c'est un pack de beaucoup de sachets de tailles différentes Ziploc. Alors je me suis très américanisée par rapport à ça parce que j'utilise énormément de Ziploc, notamment pour la lunchbox de Lana. Sachant que je les réutilise quand je mets les mêmes aliments dedans pour pas trop... Oh tiens, d'ailleurs ça, faut que je les garde. Pour pas trop polluer. J'ai pris ça. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est méga bon. C'est fabriqué ici en plus dans le coin. Et c'est en fait du cidre non alcoolisé. C'est un peu comme du champomy. Voilà. Sauf que c'est, je sais pas si ça a trop le même goût, parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu de champomy, mais c'est excellent. Ça, c'est une boisson Starbucks pour Nico, c'était 15 dollars les 15, donc rien du tout. Vous savez, c'est les mocha, là, comme ça. Hop, il m'a dit qu'il en voulait, donc je lui en ai pris. Le Nutella, donc pour elle avec la fameuse brioche. Donc ça, c'est le fromage du réveillon, du brie, du grand noir, je sais pas trop ce que c'est, du bleu. Du comté et du fromage de chèvre, comme ça, là, qui a l'air super bon. Chèvre du Poitou, donc comme vous pouvez le voir... fabriqués en France, ils sont tous fabriqués en France, ça c'est du vrai comté, il est excellent celui-là, voilà, donc c'est tout fabriqué en France, donc ça c'est chouette, c'est qu'à Costco on trouve ça, bon c'est pas donné, je sais plus les prix mais c'est pas donné, mais bon au moins on est content d'avoir du vrai fromage français, surtout quand on fait un réveillon entre français. De la salade pour le réveillon, mais j'ai encore de la baby spinach, donc du coup ça complétera. Donc la fameuse brioche qu'il faut que je teste, que Lulu m'a dit que c'était trop bon, et les crêpes au chocolat pour Lana pour le goûter. Le Nesquik parce que j'en avais plus. Ils ont changé le packaging d'ailleurs, ils ont changé le design, mais voilà. Des cuties qui sont en fait les mandarines personnellement que je préfère ici. C'est la marque que je préfère. C'est moi je trouve ça assez dur ici de trouver des bonnes mandarines. Voilà. Hein. En France aussi d'ailleurs, j'ai souvenir que je galérais. Mais cette marque là, c'est une valeur sûre. Voilà, c'est les cuties. On avait déjà parlé dans des produits finis.
Et donc voilà, il y a une sacrée quantité. Hein, donc généralement, la fin, on a un peu du mal à finir, mais j'espère que ça va aller. Et donc les olives que je vous ai déjà montrées aussi tout à l'heure. Parce que Lana et moi, on est accro aux olives. Voilà, on peut manger une canette comme ça sur un repas, nous deux, tellement on aime ça. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 130$. Je m'attendais à plus, donc je suis agréablement surprise. Et donc il y a une bonne partie de mes courses du réveillon, enfin de ma part à moi en tout cas. Il me restera plus que les jus, le champagne et je ne sais plus quoi. Et ce sera bon. Donc voilà, ça c'est son petit dossier que je récupère chaque fin de semaine. Ça c'est un petit mot de la maîtresse trop gentille. Chaque semaine, il y a un nouveau sticker qui s'ajoute. Et en fait, à l'intérieur, il y a ses travaux. Donc là, je les ai sortis. Donc ça, elle a fait des pop-corns. Voilà, donc ça c'est ses devoirs pour le mois de janvier. En fait, on nous donne voilà fin décembre pour janvier. Et c'est tout ce qu'elle doit faire en devoir. C'est très facultatif et c'est des trucs super fun. Hein. Genre, go on a listening walk, what do you hear? Voilà, genre, tu vas marcher, qu'est-ce que tu entends? Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça. Coupe une photo et fais un puzzle. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs fun et c'est très facultatif. Donc nous, des fois on fait pas. Puis après, il y a ses travaux de la semaine, voilà. C'est des trucs, voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Hop, ça c'est super joli ça. Lana, c'est super joli ça. C'est quoi? Quilt. Quilt. voilà, voilà. Donc je vais ajouter à son classeur qui est déjà plein. Donc je pense que je vais. Ça, c'est un dessin qu'elle a fait pour Santa, pour le Père Noël. Super joli. J'ouvre pas. Ça... Ah, il fallait pas que. Bah oui, mais je vais lui mettre joli comme ça. Ou tu veux le refermer? Oui. On pourra le refermer. D'accord, pardon, chérie. Mais je voulais le voir, moi, c'est pour ça que j'ai ouvert. Oh, je vais le refermer, d'accord? Tu te rends compte que t'es en vacances? Non. Tu te rends pas compte? Non. Tu veux retourner à l'école? Non. T'es contente d'être en vacances? Oui. Et qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances? Rockin' Jump. Rockin' Jump. Alors, Rockin' Jump, c'est le club de trampoline. Et qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Ski. Du ski? Ah non, le ski, si on fait, c'est les prochaines vacances, c'est pas maintenant. Oh. Oh. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'elle a fait depuis le début de l'année scolaire. Donc il y a une quantité astronomique qui remplit complètement le cahier en fait. Donc, donc je vais en prendre un autre pour le second semestre parce que là c'est complètement rempli. Voilà, moi je vous montre pas tout parce que sinon ça va durer 1000 ans, mais elle fait beaucoup de choses hein, quand même. Elle a fait énormément de choses, elle a bien appris. C'est super bien ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Donc voilà, Lana est à la sieste, on a mangé, il est 13h, donc voilà, elle vient d'être mise au lit. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais monter tout ce que vous venez de voir, je vais monter ce vlog-là, comme ça m'évitera de passer trop de temps ce soir dessus. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, avant qu'on aille faire les sablés. Alors, il est 4h moins le quart, et nous allons en direction de chez Gaëlle. Maman. Pour faire des sablés de Noël. Maman. Oui, mon amour. Est-ce que t'es pleine de chocolat, ma chérie. Maman, on peut mettre le vaniteux dans la maison de Gaëlle. Le vaniteux dans la maison de Gaëlle? Comment ça, dedans la maison? N'importe quoi. T'es pleine de chocolat, ma chérie. Elle a mangé une crêpe, là. Elle est pleine de chocolat. Allez, c'est parti. Et on va encore manger d'ici. On va... Bah non, on va pas les manger les sablés, on va les faire et on les mangera le soir de Noël. D'accord? Ouais. Tu les décoreras et tu les mangeras le soir de Noël. Encore deux, non, encore un et après c'est tout. Encore deux jours et c'est Noël. Oui, encore demain et après c'est le réveillon, oui, tu as raison. Allez, monte! Donc ça c'est la voiture de Gaëlle. Voilà. Et entre copines kitsch, on se comprend. C'est le gang des nez rouges.
va où les loulous? Sweet tomatoes. On va tous au Sweet Tomatoes pour fêter les vacances. Ouais. Les vacances. Et moi j'ai encore 3 enfants aujourd'hui. J'ai eu 3 enfants hier et j'ai encore 3 enfants aujourd'hui, dis donc. Bon. Vous voulez un dessin animé ou pas? Ouais. Maman, il y a du loup qui est tombé par terre. Oh, avec leur double couverture. Allez go. Bon ben voilà, invasion de Français au Sweet Tomatoes, hein. Il n'y avait pas assez de monde y trouver, donc on va le remplir. Nous sommes 16. 16. On est 4 familles, mais nous, quand on débarque, on débarque. Heureusement que je suis là pour baisser le nombre moyen d'enfants. Hein. Ça compense. Du coup, ça fait 2 enfants par couple, c'est la norme, on respecte la norme. Je prends Ninou. Je prends Ninou, moi. Ah oui. Ah bah je prends Léa alors. Je prends la plus facile. Je prends pas les petits, moi. On va attendre Amandine. On attend les copinous. Ok, Adi, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Ah, vous avez perdu. Elle a pas dit Jacques Adi. Jacques Adi, Adi, mettez la main sur la tête. Jacques Adi, faites un bisou. Jacques Adi, faites le plus grand des sourires. Jacques a dit, touchez le bout de votre nez. Si vous avez besoin d'animation dans votre restaurant, appelez les Français de la baie. Ah, on vous mettra un petit peu de vie. Donc voilà, c'est la fin de ce premier Calismas. Donc on espère que le vlog il vous a... Plus à deux. Ma. Et bi. Oh, doudou, mon doudou. Et Buddy, oui, on vient d'arriver à la maison. Oui, oui. C'est doudou. Moi, Didi.